Alors voilà le MT Hyper Obao MT 1,5 mécaniquement et esthétiquement fini. Tout d'abord, un gros merci à Tonton Mani, à Parrain Mani, à Papa Mani, comme vous voulez, qui m'a donné, voilà, qui m'a donné ces roues. Donc c'est des MFT Proline Trencher HP, donc qui sont en fait ceinturées pour éviter que ça fasse des pizzas. Gros problème avec ces gros pneus en général, ça fait des pizzas. Ici on est quand même en 8ème, donc quand même un truc qui tient la route. Et aussi merci à un des parrains tontons, parce que du coup Pierrot il pourra se mettre sur la piste avec ses Luiz Rocket MT occasionnellement, comme il est pas fan. S'il veut aller sur la piste, on mettra les gros rouleaux et on fera, enfin il fera un petit peu de piste. Ça c'était pour l'aspect esthétique. Moi je trouve que bon, honnêtement, esthétiquement, c'est le plus, ouais, c'est le plus beau MT que j'ai fait. Voilà, je dis pas que c'est le plus beau MT du monde, mais esthétiquement, je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'on va quand même acheter une Caro Akassable. Hein, chez Zaz Body, ils ont la Hyper MT, et mais je crois qu'on va lui mettre, parce que là, bon, j'ai comme un doute sur la survivance du bazar à long terme. Donc, voyons voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, ben, c'est comme Papa Mani dit, hein. Il y a qu'à suivre les vidéos, il y a 3 vidéos, il avait fait la vidéo avec pour d'un montage pour Tonton RS. Et bien il, tout ce qu'il a dit, il a rien oublié. Pour faire ce montage, vous avez besoin donc de faire 8 trous. 4 pour le support ici. Vous avez à faire 2 trous pour à filetage. Donc moi pour faire les filetages j'utilise sur des plaques à alu comme ça en. Qui sont débouchantes, j'utilise ce genre de petit outil qui fait perçage, filetage derrière et chanfreinage. Donc ça c'est hyper rapide, sur de l'alu ça va super bien, 3 mm ça se passe super bien. Donc il y a eu 4 ici, 2 pour attacher en fait la fixation de la lipo ici. Vous avez ensuite 2 trous qui sont un peu touchy à faire, mais à déboucher, il faut un peu fraiser. Un trou qui est ouf pépère. Attends, on va ça. Voilà. Il est derrière. Oui, il est derrière. Pour attacher en fait le support moteur, ça va ici, ça entre un trou et une blague, faut juste un peu fraiser. Avec une tête bombée, faire un peu de place et ça passe. Ensuite. Comme dit, pour faire rentrer le moteur en 92, un petit peu exagéré quand même, je pense que 82 ira très bien, mais 92 1520 kV Rocket 4 pôles, fait pour les bateaux, bateau pas bateau, vous énervez pas, hein. Vous avez juste à mettre un bout de coche derrière si ça vous énerve. On doit un peu raboter la cellule et l'enfort, mais quelques millimètres et ça rentre tout pile poil. L'avantage c'est qu'on est en moteur de 40, la clamp est en 40, donc tout se perd bien. Ensuite, pour faire passer l'immense boîte radio, ça faut être honnête, c'est une immense boîte radio, on doit un tout petit peu à la Dremel raboter un peu la boîte radio ici et un peu le support de boîte ici également, jusqu'à que ça rentre sans forcer. Bon, voilà, ça se fait, faites ça minutieusement. C'est tranquillou. Ensuite, pour faire. Bisous, chérie. Pour faire le montage du Vario, donc on est un VXL 8S, ben, j'ai fait juste une plaque de transfert. Alors, il faut que je la peigne. Elle est en PVC blanc, donc je vous la peigne. Tout simplement, hein, j'ai percé une plaque où j'ai fixé mon VXL et j'ai fixé cette plaque dans les trous qui sont donnés pour le support moteur. Donc, bon. On a un Vario bleu, voilà, ça fait raccord avec le truc. Donc voilà, après il y a tout ce qu'il y a à faire, franchement. Hop, une corne rouge. Ouais, parce que j'avais pas de corne bleue, enfin si, c'est venu avec une corne bleue, mais elle était foirée. Donc, Servo GX, 46 kg, sous 7,5 V, hein, donc là on est en 6 V, VXL il donne que 6 V, donc globalement,
Ça va donner dans les 30 kilos. Oh, ça tourne tout seul. Hein. On a mis les diffs, ça je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Donc 1 million au milieu, 300 000 derrière, 150 000 d'avant. 300 000 derrière, c'est juste pour aller, pour mieux tourner. Avec les gros pavés comme ça, c'est un peu tendance à pas tourner. Donc on renforce et on met plus d'huile importante derrière pour avoir plus de motricité et donc donner plus d'avant. Hein, voilà. Les suspensions, alors bonne remarque, c'est fait de Mamani comme toujours, quand je suis allé chez lui chercher les pneus, il me dit, ah bah putain, oh punaise, bah oui, en fait, les ressorts, alors j'ai acheté celui-là chez Euro RC, en mode roller, et c'est venu avec les ressorts bleus, et effectivement les ressorts bleus sont trop mous. Je sais que les dernières versions qu'on avait vues du MT2, ils avaient déjà les ressorts orange. Alors je sais pas si c'était un fan stock ou si c'était les nouvelles versions qui sont comme ça. Donc encore un truc bizarre chez Obao. Et autre truc bizarre, j'essaie de parler moins vite. Les roulements sont en double Z alors qu'avant c'était tout le temps en étanche. Donc vous connaissez Mani, il a fait direct des photos, il a dit « Ah, j'ai envoyé ça à Richie ou à Suzanne !» pour voir son avis, voilà, on attend la réponse. Concernant le moteur, le pignon moteur, l'Angimil plus gros, c'est un 18 qui rentre avec les réglages possibles, donc 18 et une couronne de... Oh, ça doit durer 38, un truc comme ça, non ? Je sais plus. Donc bon, j'ai fait un bref essai dans la rue, ben on fera pas aujourd'hui tout de suite là parce que il pleut comme toujours depuis 3 semaines. Mais ça a l'air de donner, ça a l'air d'être amplement suffisant. J'ai mis que des petites roulettes derrière, ça suffira pour Pierrot qui veut faire. J'espère juste qu'il aura assez de pêche pour faire ses backflips. On verra avec ses pneus là si ça arrive à le faire. Mais globalement, c'est un engin comme ça, RTR, qui va faire dans les 7 kg. Donc 8 tests, ça lui ira bien. Franchement, ça lui ira très très bien. Et dans la suite de la vidéo, vous allez voir les petites choses 3D que m'a imprimé Bixente. Parce qu'il y a une chose qui est embêtante, c'est ça. Enfin, moi qui m'embête principalement, c'est déjà... Ici, il faut faire hyper gaffe au câblage parce qu'on est à l'air libre. C'est-à-dire que vos câbles hypo, il faut bien les caler parce que t'as vite fait, par exemple, là, tu vois. Je mets par là-dessus. Si je tends pas, la lipo, elle passe très très près de la couronne. Donc, mon ami Bixente, il nous a fait un cache-couronne. Et puis, comme c'est pour Pierre aussi, puis pour moi aussi, hein, on va mettre des skids aussi imprimés en 3D TPU. Donc, on se trouve dans la suite. Pour le montage de toutes ces pièces en TPU et le petit essai peut-être qui va suivre tranquille ou pas, ça dépend du temps de... Voilà, je suis déjà à 8 minutes 23 pour avoir rien dit, c'est quand même fort. Hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je me suis commandé les ressorts au pion quand même parce que c'est vrai que... Voilà, il va vite à plat en fait, il va vite à plat, par contre vous avez vu le débattement, c'est juste hein, pour dire... Voilà, ça c'est quand même un débattement des MT de ouf. Hein, on est à une bonne dizaine de centimètres. Facile. Et franchement, ça c'est cool. Ça, dans le gros terrain, ça va être terrible. Mais c'est vrai que c'est un peu souple, tu vois. Et là, il remonte pas assez fort. Il remonte pas assez fort. Et j'ai pas envie de fluidifier parce que c'est pas si dur que ça. Voilà, donc je pense qu'avec les ressorts options orange qui devaient être de série, qui sont plus de série. Ça va aller mieux, et puis avec une carouac à sable, hein, celle-là on va la garder pour la vitrine, ou pour la revendre quand Pierre s'en voudra plus. Voilà, ne vous précipitez pas, c'est pas pour tout de suite, et il y a déjà une liste d'attente, d'accord? Voilà, allez, à plus.